Alors, une petite vidéo pour voir la suite de l'association Consoudnen, Grandiflorum et Framboisier. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos où on voit que la cohabitation se passe très bien entre les deux. Et là, on est 3 ou 4 ans après l'installation de la Consoud. Donc là, on voit que ça attire plein d'insectes pollinisateurs. C'est super quand on a des abeilles parce que ça produit pas mal de miel. Mais surtout, ça va gérer les mauvaises herbes, enfin les adventices. Donc là, on en voit une qui envahit la parcelle, qui envahit le coin depuis une dizaine d'années. C'est le gaillet gratron. On va voir ce qui se passe quand il n'y a pas la consoudnen. On va aller juste 1 mètre à côté. Donc là, on est 1 mètre à côté. Ici, on voit du chardon commun, des graminées, du gaillet gratron. Et alors, ça n'a pas du tout été désherbé. Hein. Si vous regardez, là, la tondeuse a été passée. Mais depuis le printemps, en fait, il n'y a rien qui a été désherbé du tout. Donc, on voit que ça produit quand même des framboises. Hein. Ça n'a jamais empêché. Mais par contre, on se pique en allant les chercher. Alors que ici, on a un milieu qui est vachement dégagé, en fait, qui permet d'aller cueillir les framboises sans avoir à mettre les mains dans des orties, dans des ronces. Et là, on voit que la consoudnen s'arrête ici. Et à partir d'ici, hop, de nouveau, du gaillet partout. Toc. Des orties. Donc du coup, l'association Consoud de framboises au pied des arbres fruitiers, c'est quand même assez efficace. Par contre, c'est important de ne pas planter des framboisiers au pied des jeunes arbres. Donc là, c'était un arbre qui était déjà en place depuis un petit bout de temps, qui avait au moins 3-4 ans avant de l'installation des framboises. Et là, on va voir ce qui se passe si on installe des framboisiers au pied d'un jeune arbre trop tôt. Donc on va passer de l'autre côté sur une autre haie. Et là, on va voir le poirier 5 côtes Napoléon. Donc c'est une variété de poire belge que j'ai récupérée en 2012 ou 2013. Et là, elles font leur première poire cette année. Donc, j'avais fait un diaporama là, sur la plantation de cette haie en 2013. Et donc, c'est un des premiers arbres que j'ai planté. Et ici, il y avait la framboise Imbotop, une framboise géante là, qui donne des... Et donc, il en reste encore quelques pieds. Et je l'avais dépassé. Et donc, en gros, le pied a été envahi. Le pied de... voire 5 côtes Napoléon a été envahi à la fois par la mélisse citronnelle et en même temps par les framboisiers qui arrivaient quasiment à 1m80, 2m. Donc du coup l'arbre s'est retrouvé complètement piégé dans les framboisiers et avait pas de lumière. Et il a eu une croissance très très lente. Là il a 4 ans, 5 ans maintenant. Et on voit que l'arbre s'est pas développé et il commence à donner ses premiers fruits que maintenant. Et on va voir un autre arbre qui a été planté à la même période, donc dans la haie cette année-là, en 2013, c'est le poirier beurré d'Anjou. Donc on voit ici, et c'est sur lui que j'ai récolté 20 kg de poire l'année dernière. Donc là on voit, il monte quasiment à 3 mètres de haut. Il s'est bien ramifié. C'est vrai que pour l'âge qu'ils ont, ils pourraient être beaucoup plus grands. Hein. Là, c'est le fait que la culture est très densifiée, parce qu'il y a des framboises, de la vigne, des cassis, des blettes, des fraises. Donc ça en fait... là, les fraises, maintenant, au bout de 3-4 ans, il n'en reste plus beaucoup. On en voit encore quelques pieds ici, là. Il y a eu un artichaut, qui est encore vivant, là, qu'on voit là. Toc. Mais bon... Ça donne quand même pas grand chose au niveau tête d'artichaut. Là, il lui faudrait du compost si jamais on voulait que ça donne des fruits un petit peu plus gros. Et donc là, dans le trou du poirier 5 côtes Napoléon, il y a un pommier sur lequel j'ai greffé presque une dizaine de variétés de pommes différentes.
Donc du coup, l'arbre était quand même en compétition, mais par contre, pas avec des plantes qui l'étouffaient. On va passer de l'autre côté, on le verra mieux. Là, on voit le poirier qui est ici. Et ici, un pommier. Donc on voit, ils ont été plantés dans le même trou. Hein. C'était à la plantation, c'était au même endroit. Et donc cet arbre-là a fructifié très tôt, m'a donné beaucoup de poires et surtout a pris un port à peu près naturel. Alors que le poirier 5 côtes Napoléon qu'on a vu avant a été vraiment ralenti par les framboisiers. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre des framboisiers au pied de vos arbres fruitiers, surtout la première année, parce que c'est assez envahissant et ils vont avoir un effet négatif sur la croissance des arbres.